Salut à tous, salut Simon. Salut Bruno. Bienvenue, bienvenue pour ce troisième live, Facebook Live, ici salle Stereden. Pour un match important, important pour les Sessonnais qui doivent enchaîner avec une nouvelle victoire après cette belle victoire la semaine dernière face à Marseille. Ce soir, le Cesson Volley Saint-Brieuc-Côte d'Armor reçoit le PUC. Très gros match à venir Bruno, on est ravis d'être là avec vous ce soir pour le dernier match de l'année 2021 pour nos Cessonnais qui, on l'espère, vont repartir avec une victoire. Effectivement, ce serait bien de terminer avec une belle victoire ce soir pour terminer la saison. Alors le match à 15h, j'espère que vous serez quand même nombreux à nous regarder sur le live Facebook. On vous souhaite à tous un bon match, on va essayer de vous donner un maximum d'informations sur le match, sur les statistiques, c'est Simon qui s'occupe des statistiques. Et à nouveau, il y aura des cadeaux à gagner avec le Boons Club. Beau t-shirt Boons Club, si vous aimez mon t-shirt, eh bien si vous voulez le gagner, il faudra répondre aux questions, aux intercepts. Et donc on compte sur vous. Il est encore temps d'appeler tous vos amis pour nous retrouver sur le live. Vous étiez très nombreux la semaine dernière et on compte à ce qu'on soit encore plus nombreux. Il faut vraiment exploser le chiffre de connexion sur le Facebook Live. Allez Simon, on va aller prendre notre place pour le match. Exactement Bruno, on vous souhaite à tous un très bon match. Merci à Boldri Production pour la réalisation et la retransmission en direct sur les réseaux. A tout de suite. A tout de suite sur le live, merci. Allez, on se retrouve, on a pris nos places dans la cabine de commentateur, comme on pourrait dire, à la télévision. C'est mieux qu'à la télévision, mais très belle réalisation, Boldri Production. À nouveau ce soir, nous sommes à 10 minutes du début du match, et donc si vous êtes déjà présent avec nous, on va vous faire une petite présentation des équipes, ou on va attendre encore un petit peu peut-être. On va attendre 5 minutes pour faire la présentation, Simon, qu'en penses-tu? Ouais, tout à fait Bruno, et puis bah du coup on va laisser les premiers spectateurs qui arrivent, qui se connectent sur le live, profiter de la chauffe avec un beau passage à l'attaque. C'est toujours impressionnant de voir les joueurs s'échauffer, rentrer fort dans le ballon. Oui, cela nous permet de voir les forces en présence. Donc on le rappelle, ce soir, cet après-midi, le Cesson Volleyball qui reçoit l'équipe du PUC, une jeune formation du PUC. C'est un centre de formation, donc que des jeunes joueurs, voire des très jeunes joueurs. Donc attention à cette équipe qui va au fur et à mesure du championnat monter en niveau. Donc il est temps de gagner ce soir. C'est ça, il y a vraiment des belles pépites là du côté du PUC. Le PUC c'est le centre de formation du Paris Volley, rien que ça. Donc c'est forcément une très belle équipe avec une grosse structure derrière. Donc on s'attend vraiment à avoir une belle opposition cet après-midi et un match de qualité à vous proposer en direct. Oui, tu l'as dit Simon. Des joueurs qui sont la réserve de l'équipe du Paris Volley et donc qui veulent se montrer également pour pouvoir peut-être monter dans le groupe professionnel et participer au championnat de Pro A. Donc c'est important pour eux également. Exactement, et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait que ce type de match sont particuliers à jouer parce que les effectifs peuvent varier, parce que certains des joueurs que l'on voit devant nous peuvent être amenés à être appelés avec l'équipe, le groupe professionnel. Donc c'est toujours très difficile de savoir à quoi s'attendre quand on rencontre ce genre de jeunes équipes. Allez, si vous êtes déjà en live, si vous nous suivez déjà, eh bien, nous allons procéder à la présentation des équipes. De ce match cet après-midi. Et je vais commencer avec l'équipe du Paris Université Club Volleyball, le PUC Volleyball, avec le numéro 1, Théo Garnon, le libéro. Le numéro 3, Thibaut Braunsteffer. Le numéro 6, Raphaël Baya. Le numéro 7, Émile Vallier, capitaine de cette formation. Le numéro 9, Guillaume Huetz. Le numéro 10, Ethan Namboué. Le numéro 11, Jonas Monsango. Le numéro 12, Dimitri Renaud. Le numéro 13, Ibrahim Touré. Le numéro 18, Raphaël Ossard. Et l'entraîneur de cette formation, Joris Travers. Allez, place à la présentation de notre équipe de Cesson. Cesson Saint-Brieuc avec des joueurs que vous connaissez. Le numéro 1, Robin Utrel. Le numéro 2, Valentin Bezeau. Numéro 4, Maël Lemeur, numéro 5, Valentin Brook, qui est aussi
entraîneur et capitaine de cette formation sessonnaise. Numéro 6, Alexis Fillon. Numéro 8, Clément Adam. Numéro 15, Ronan Chesneau. Numéro 16, Arnaud Pellan. Le numéro 17, Mathieu Ogas. Alors on a aussi deux blessés qui sont présents avec le groupe. Je pense à Julien Royer et Arthur Ribou. Et pour compléter cet effectif, on a donc Cyril Veck au poste d'entraîneur adjoint et Kevin Nicolas en tant que soigneur. Alors vous attend tous sur le live Facebook. Auré Colombe est déjà avec nous. Allez Cesson, allez Cesson. Encouragez-les, je vous rappelle, hein, les joueurs, une fois le match passé, regardent à nouveau ce live Facebook et ils sont très attentifs à tous vos commentaires, tous vos encouragements sur ce live. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, qui va gagner ce match? Mais bien sûr, c'est ça, on l'espère. Allez, on espère une victoire. 3-0, 3-1, afin de marquer 3 nouveaux points, monter à 10 points, se replacer en milieu de tableau de ce championnat élite Poule B. Et ça va commencer dans moins de 5 minutes maintenant, les équipes qui terminent leur échauffement. On se le disait, Bruno, hein, juste avant le match, c'est un match qui a de l'enjeu hein, quand même. Une victoire, les 3 points seraient très précieux pour la suite de ce championnat. Donc vraiment, on espère que les Cessonnais vont faire une belle entame de match. Oui, surtout avec cette formule normalement de play-down. Si les Cessonnais sont au play-down, ils conservent les résultats obtenus contre les moins bonnes équipes également de ce championnat. Et donc, très certainement le PUC, hein, puisque le PUC, on peut le rappeler actuellement, est 10e, n'a que 3 points, a joué 7 matchs, une seule victoire pour 6 défaites. Et donc, c'est l'une des équipes qui devrait être dans les play-downs, ainsi que Marseille, hein, qu'on l'on a joué et qu'on a gagné la semaine dernière. Marseille qui n'a pas encore gagné un match dans ce championnat. Allez, les joueurs qui sont actuellement en train de finir leur échauffement par un passage au service. Là aussi, on peut déjà apprécier les forces en présence, comme le disait Bruno, voir un petit peu quels sont les gros serveurs de chacune des équipes. Et puis, c'est bien sûr aussi l'occasion d'aller travailler la réception. Vous pouvez voir les libéraux des deux équipes qui sont en ce moment en train de s'échauffer, de réceptionner déjà les services, de commencer à lire le jeu des serveurs adverses. Et la bise également, Tintin. Pour l'instant, on est concentré sur vos commentaires. Le match n'est pas encore commencé. On suit avec Simon vos commentaires. Merci, merci de nous soutenir également. Et on espère, on l'espère. Vite, 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 votre tour ici, Salster Eden, pour mettre le feu. Salut Jojo. J'espère que ça va mieux, hein, mon petit Jojo. Allez, plein de pouces, plein de pouces, plein de petits cœurs. Les Cessonnais apprécient, les joueurs apprécient toutes ces marques d'attention de votre part. Vous n'êtes pas ici, Salster Eden, mais ils savent que vous êtes derrière vos écrans pour les encourager. Début du match dans 4 minutes maintenant. Les deux équipes vont ramasser les ballons, se réunir pour le brief d'avant-match. Très important, hein, Bruno, ce brief d'avant-match. Que les coachs, c'est le moment où les coachs réunissent leurs équipes, leur passent les messages clés pour le début du match, motivent leurs troupes. Oui, et comme nous le disions la semaine dernière, l'entame de match est très importante pour mettre la pression sur une équipe. On le rappelle, hein, une jeune équipe parisienne. Donc si dès le début du match les Cessonnais arrivent à mettre de l'intensité et une grosse pression sur le service bloc, ça peut déjà faire tourner le match en leur faveur. Exactement, alors on nous demande dans les commentaires, Bruno, un petit rappel sur le classement. Cesson actuellement est classé. Alors je vais vous rappeler le classement. Alors actuellement Cesson est 8e avec 7 points, alors a joué 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites.
Et le PUC est 10e avec 3 points, mais a joué 7 matchs. Une victoire, 6 défaites, un championnat assez décousu. Ça commence à revenir, ça commence à se resserrer, on reprend les matchs en retard, commence à être joué. Normalement, pour début janvier, on devrait y voir un peu plus clair dans le classement. Mais ce qui est sûr, c'est que Cesson, avec une nouvelle victoire ce soir, se replacerait très bien et enchaînerait une 3e victoire très importante également pour le moral. Oui, tout à fait, Bruno. Partir en vacances dans les meilleures conditions, sur une victoire, c'est vraiment ce qu'on espère, ce qui va se passer aujourd'hui. On compte sur nos Cessonais pour donner le meilleur. Le match va débuter maintenant dans quelques secondes. Les joueurs qui sont en train de terminer ce petit brief d'avant-match. Allez, comme vous me le notez sur le live Facebook, oui, allez, passons des bonnes fêtes avec une belle victoire. Ce serait parfait pour les Cessonais, pour tout le monde, pour les supporters. Le prochain match à domicile, ce sera le 9 janvier. Le 9 janvier, ici à Stéréden, et Cesson recevra le club de Charenton. Et un commentaire sympa du stade Briochin, autre grand club sportif de la ville de Saint-Brieuc. Oui. Encourage notre équipe cessonnaise, hein, Bruno. Oui, c'est très bien, très bien. Merci à vous, hein, de la part du stade Briochin. Les clubs briochins qui se supportent les uns les autres. Le stade Briochin qui se comporte très bien dans son championnat national. Donc on leur souhaite également de continuer, hein, dans ce championnat, à bien figurer et avoir de très bons résultats. Merci au stade Briochin. Et autre petite question, on nous demandait si Julien Royer n'était plus blessé dans les commentaires. Alors je discutais un petit peu avec Valentin avant le match. Julien est en train de revenir, c'est un peu tôt pour lui pour espérer reprendre et revenir sur le terrain. Mais malgré tout, il est important pour le groupe, Julien. Donc il fait du bien à l'équipe, hein, Bruno, il est aussi connu pour ça. Oui, ce qui est rassurant, c'est qu'on a vu que Julien et Arthur étaient en tenue. Ils ne devraient pas rentrer, hein, mais ça veut dire qu'ils se rapprochent du retour sur les parquets. Donc on est vraiment content de les voir en tenue sportive, proche du terrain, dans le cop des remplaçants. Et on sait que la grande gueule, hein, Juju, va encore donner de la voix ce soir pour encourager ses partenaires. Allez, ça va partir dans une minute. N'hésitez pas à taper des mains chez vous aussi. Les joueurs ont besoin d'encouragement pour performer au meilleur niveau. Et on commence avec le même 6 du côté Cessonnet ce soir, avec Alexis Fillon, Roland Chesneau, Clément Adam, Valentin Bezeau, Robin Hutrel, Emmaël Lemeur et bien sûr le libéro Mathieu Ogas. Oui, et je crois qu'en l'absence de Valentin Brouck sur le terrain, le capitaine c'est Ronan. Hein. Il me semble, c'était lui la semaine dernière le capitaine. Et donc Valentin depuis 3 matchs, hein, qui a cédé sa place, une nouvelle formation. Il a dû adapter la formation cessonnaise suite aux blessures, hein, et notamment la blessure du pointu titulaire Arthur Ribou. Et c'est Renan qui a pris sa place et c'est Alexis Fillon qui a pris la place de Valentin sur le terrain. Une superbe prestation, hein, d'Alexis la semaine dernière. Oui, il revient de blessure en plus, donc c'était pas forcément gagné qu'il soit tout de suite au meilleur de sa forme. Et pourtant, il nous a fait un très très bon match la semaine dernière. De mémoire, il a marqué plus de 15 points, hein, Bruno, ce qui est une très belle performance. Oui, une très belle performance de Clément, qui était le troisième marqueur de son équipe. Allez, c'est parti au service, l'équipe du PUC, avec le numéro 13, Ibrahim Touré. Belle attaque de Robin, block out, le ballon atterrit dehors des limites du terrain. Premier point pour notre équipe de Cesson. Alors bien sûr, nous souhaitons également la bienvenue aux supporters parisiens. Vous allez pouvoir voir le match de votre équipe dans de très bonnes conditions. On vous souhaite la bienvenue, les supporters parisiens, même si personnellement avec Simon, nous souhaitons la victoire cessonnaise. Ah, ça commence bien, petite faute de position du côté de l'équipe du PUC. Faute de position, ça veut dire que les joueurs étaient mal placés, ce qui est sanctionné automatiquement d'une faute. Et ça fait 2-0 en faveur de Cesson. Alors c'est le genre de faute, hein, qui n'est pas fait pour mettre en confiance l'équipe, hein. Si dès le deuxième point on fait une faute de ce style, attention, hein. On rappelle, c'est une très jeune équipe qui peut sans doute être très fébrile. Et là, une faute de position comme ça, ils sont un peu perdus là sur le terrain, ils ne savent plus. Et le jeu va reprendre et c'est Maël Lemeur qui est au service. 2-0 actuellement pour Cesson. Alors, petit
petit temps mort, le temps de remettre en place l'équipe parisienne. Et il demande un temps mort. Il y a déjà vraiment beaucoup de fébrilité dans cette équipe parisienne, Simon. Oui, c'est surprenant de voir ça à ce niveau, hein, clairement. 2-0, grosse faute de position, on n'arrive plus à se réajuster derrière. C'est assez rare, hein, clairement. Oui, oui, c'est vraiment une entame de match difficile. Ça va discuter, ça va plus penser à ses positions qu'à son jeu. Donc il faut absolument que les Cessonnais en profitent. Hein. Dès le début du match, mettre un maximum de pression sur cette équipe parisienne. Tout à fait, on voit que côté Cessonnais, on est concentré. On a déjà cette envie qu'ils avaient la semaine dernière et qui leur a permis, je pense, d'aller chercher ce match, d'aller chercher la victoire. C'est très très important. On sait que voilà, avoir de la hargne sur le terrain, c'est aussi se donner les meilleures chances de remporter la victoire. Alors comme la semaine dernière, on voit qu'il n'y a pas que les supporters briochins. Salut Yann, il y a beaucoup de monde qui regarde les lives de ces sons, car ce sont des lives de grande qualité. Donc n'hésitez pas, appelez vos amis si vous voulez voir un beau match de volley niveau élite pour ce match entre Cesson Volleyball, Saint-Brieuc-Côte d'Armor et le PUC Volleyball. Et c'est reparti avec Maël Lemaire au service. Après une pause, comme ça c'est difficile d'assurer son service, c'est dommage. Très belle attaque de Robin Huttrel. Diagonale, troisième point pour les Cessonnais. 3-1 pour Cesson. Valentin Bezo au service. Et belle balle ralentie au bloc. Et on enchaîne avec un nouveau point pour les Cessonnais. 4-1. Ah oui, Clément, il s'en sort bien sur ce coup-là. Mais ça fait partie aussi du jeu. Et on prend, hein, on prend tous les points. Et nouvelle faute de position. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe du côté parisien? On est complètement perdu. Alors peut-être une formation inhabituelle côté parisien, ils ne trouvent pas leur position. En tout cas, les Cessonnais en profitent et très bonne entame de match au niveau du tableau d'affichage, 5-1 pour Cesson. Ah, ils s'en sortent bien, dommage, c'était bien, le bloc était bien formé, mais malheureusement l'attaquant a réussi à trouver la faille, le ballon atterrit dehors, block out. Et le PUC qui récupère le service. Allez, au service, le numéro 9, Guillaume Huetz. Et c'est un bloc pour les Parisiens. Ah, c'est dommage. J'ai été surpris par cette attaque. Juste derrière Robin Huttrel, qui normalement attaque à l'aile. Là, il était venu juste derrière son passeur Valentin Bezo. Ouais, c'était une belle combinaison, Bruno. Dommage que ça n'ait pas marché. Allez, nouveau point sur cette faute de service parisienne. 6-3 en faveur de Cesson. Robin Huttrel au service. Allez, hein. On sait que Robin a clairement la capacité de faire la différence au service avec un très gros service matché, grosse prise de risque. Et il le confirme sur ce premier service. On sait que lorsqu'il s'enflamme au service, ça fait toute la différence. Les équipes adverses connaissent Robin et connaissent sa qualité de serveur et donc le redoutent. Septième point pour les Cessonnais. La balle est dehors et 8e point, temps mort pour Cesson, 8-3. Très bonne entame de match des Cessonnais. Oui, c'est important, hein, Bruno. Tu le disais dès le départ, l'entame de match est un moment clé dans un match de volley.
et commencer, on pouvait pas rêver de commencer mieux. 8-3, une équipe du PU qui se cherche encore un peu, qui manque de rythme. Oui, et surtout avec deux fautes de position, hein, ce qui est vraiment inhabituel. Hein. Une faute, normalement on se remet en place, on essaye de corriger tout de suite. Deux fautes de position, ça met le doute dans l'équipe parisienne, dans les têtes des Parisiens. Et Joris Travers, l'entraîneur parisien qui essaye de recadrer ses joueurs, les calmer pour revenir tout de suite dans le match. Ah, le Nord nous regarde également. Partout en France, on nous regarde. On regarde les lives Facebook de Cesson. Merci à vous tous. Et on espère hein, bientôt tous vous retrouver salle Sérénène pour faire un maximum de bruit et mettre une très 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 chaude ambiance comme vous savez le faire. Allez, c'est reparti dans ce premier set 8-3 en faveur des Cessonnais. Toujours Robin Utrel au service. C'est fort au service. Et oui, troisième service puissant. Ça accroche la bande, mais ça passe. Et donc, grosse pression sur la réception adverse. C'est 9e point, c'est Sonnet. Troisième point de suite pour Robin. Troisième service de suite, pardon. Faute de file cessonnaise, point pour les Parisiens. Allez, tout de suite, important de faire le side, récupérer le service pour mettre à nouveau le puck sous pression. Oui, conserver ses 5 points d'avance, si possible, jusqu'à la fin du set, pour ne pas être surpris en fin de set. Et à nouveau, hein, du grand Clément, il nous a fait un très grand match, hein, Clément Adam, le central cessonnais la semaine dernière. Et à nouveau un point pour lui, il est au rendez-vous de la fixe. 10e point, c'est sonné. Ah, c'est vrai qu'il a mis énormément d'engagement dans ses frappes de balles le week-end dernier. On espère qu'il va réussir à reproduire cette performance parce que dès qu'on arrive à passer par le centre, on fait la différence. Dommage, il visait le coin Alexis, il n'a pas lâché le bras. Mais la balle est extérieure des lignes, point pour les Parisiens du PUC. Service numéro 3, Thibaut Braunstepher. Et à nouveau une faute de service pour les Parisiens. Ils ont du mal à se mettre dans leur match. On sent que ça manque de rythme. Il y a eu les fautes de position, il y a pas mal de fautes au service, des petites approximations. Il va falloir qu'ils se mettent dedans s'ils veulent espérer clairement rivaliser avec Cesson aujourd'hui. Oui, l'horaire inhabituel du match peut aussi perturber les joueurs. On imagine des Parisiens qui sont arrivés, qui sont partis ce matin de la capitale pour venir jouer ce match. Et donc pas beaucoup de temps d'adaptation avec ce match à 15h. Mais il ne faut pas traîner, hein. Les Cessonnais ne vont pas attendre qu'ils rentrent dans le match. 11-6 dans ce premier set pour les Cessonnais. Oh, ils s'en sortent bien là. Hein. C'est un albatros, Maël Lemer. Il reste en l'air et il attrape la balle avec sa main gauche sur cette fixe un tout petit peu haute de Valentin Bezeau. Et c'est quand même un point. On l'a dit hein, la semaine dernière, quelle détente ce Maël, c'est impressionnant. Oui, il a une grosse hauteur d'intervention. Ça. Ah, le numéro 9, Guillaume Metz, côté PUC, qui trouve les mains du bloc, qui arrive à jouer les mains et marquer le point pour le Paris Volley. Yeah!
Oh, 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 oh. Quel fixe arrière, superbe passe de Valentin Bezeau et Maël Lemeur qui met un cratère. Oui, deuxième point déjà pour Maël et ça nous fait même 4 points pour nos centraux, Bruno, depuis le début du match. C'est une stat intéressante, je trouve. Oui, on l'a remarqué hein, depuis le début de la saison, le jeu est beaucoup mieux distribué, c'est-à-dire plus réparti entre les ailiers et les centraux qui touchent beaucoup plus de ballons et qu'ils sont performants, donc il faut continuer. Le ballon accroche la mire. Et nouveau point sessionné sur cette attaque. Oui, qui touche la mire. 14-7, 7 points d'avance. C'est bien engagé pour les sessionnés. Allez, il faut continuer. Continuez de les encourager également hein, sur le live Facebook. Et bien sûr, hein, cette avance permet aux sessionnés de lâcher le bras hein, au service. Simon, ils peuvent prendre des risques hein, avec 7 points d'avance. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant dans des moments comme celui-là où on a une belle avance, on peut lâcher le bras, prendre un maximum de risques au service, quitte à parfois faire la faute. Troisième point pour le pointu Guillaume Huetz qui lui clairement est en train de rentrer dans son match. Alors, il a un profil un peu atypique pour un pointu, Bruno, parce qu'il n'est pas forcément très grand. Pas très grand, en tout cas, il ne nous paraît pas excessivement grand, oui. Mais un bon jeu, belle technique, bon toucher de balle à l'attaque. Mais tout de suite, Cesson répond avec la puissance de Robin à l'aile. Allez, surtout, ne pas les laisser enchaîner les séries, ne pas les mettre en confiance. Ils sont capables de s'enflammer, ces jeunes parisiens. Oh là là, et là, ça c'est une boîte sur la tête. Eh bien, il vient de prendre son premier bloc. Hein. Le pointu, il va falloir le calmer. Et c'est ce qu'a fait Cesson directement. Exactement, et ça nous permet surtout de prendre le temps mort. 16-9, deuxième temps mort technique. 16-9, 7 points d'avance au deuxième temps mort technique. Allez, je vous rappelle, hein, si vous êtes sur le live Facebook, encore des cadeaux à gagner avec le Boons Club, partenaire de ce match. Cesson Puck ce soir, c'est le Boons Club qui est partenaire de ce match. Et il y aura des questions, je vais poser la première question à l'intercept entre le premier et deuxième set. Donc soyez réactifs, le premier ou la première qui répond à la question gagne des cadeaux au Boons Club, t-shirt et casquette Boons Club. Ah, super hein, Simon, hein. Là pour l'instant on est tranquille. Hein. Comme entame de match, c'est vrai que bah, c'est le top en fait, hein. On est tout de suite à plus 7, on se met dans une situation confortable pour aborder la fin de ce premier set et voilà, espérer, comme on le disait tout à l'heure, aller prendre les 3 points, hein, parce allez, que c'est ça l'objectif. Points. Alors le danger qui peut arriver parfois, c'est justement éviter le relâchement en se disant « ça y est, ça va être facile, ça va être un match gagné ». Surtout ne pas se dire ça dans les têtes, mais ça c'est sûr, on le sait, Valentin Brook va pas les laisser dans cet état d'esprit, il va continuer à les mettre sous pression. Oui, et je le sens serein, Valentin. Vraiment, il dégage cette sérénité lorsqu'il parle à ses joueurs. On sent que voilà, il a confiance, il sait où il va, il a son plan de vol en tête. Et c'est très important ça pour les joueurs. Allez, c'est reparti dans ce premier set 16-9 pour les prochains. Allez, nouveau point. Difficulté en réception pour les Parisiens. 17-9. Difficile là, sur hein, cette première défense de Mathieu Ogas. Ah, il a mais la main ouverte. Ça peut siffler, porter. Allez, on retrouve le pointu parisien au service. Et ben, l'attaque de Renan. Poste 4. Et à contrario hein, des Cessonnais, les Parisiens, eux, en étant menés, ne peuvent pas prendre beaucoup de risques hein, au service. Ça facilite forcément le jeu de réception des Cessonnais. C'est ça, on se met dans les meilleures conditions pour pouvoir construire une belle phase de jeu. Allez Robin, un gros service, on enchaîne. Belle défense. Il
cette fois-ci la réception parisienne avait bien tenu le coup sur cet énorme service de Robin. Ils enchaînent avec un bloc derrière. Changement. Côté parisien, entrée en jeu du numéro 18, Raphaël Ossa, à la place du numéro Jonas Monsango. Ah, il rentre au service, il doit avoir quelque chose à proposer. On va regarder ça de près. Allez, toujours dans la tête des Sessonnais, ne pas laisser les Parisiens faire de série. Encore des limites d'Alexis Pillon. 12e point parisien, 12-18. Allez, conserver au moins une avance de 5 points avant d'attaquer le Money Time. Ou pour Guy, le Poney Time. Énorme prise de risque. Il est rentré au service. Hein. Lui, il a le droit puisqu'il est rentré pour mettre en difficulté la réception parisienne. Mais là, c'est ce qu'on appelle un avion au service. Hein. Bien loin, loin, loin des limites. Et toujours Cesson devant. Avec 7 points d'avance, 19-12 dans ce premier set. Allez Clément, Clément Adam au service pour Cesson. Service trop appuyé, ce service flottant pour Clément, il s'en veut, il s'en veut. Oui, bah c'est vrai que ça fait quand même quelques fautes hein, des deux côtés au service, là sur ce premier set. On sent que les joueurs ont peut-être un petit peu du mal à prendre leur repère, à se mettre dans ce match. Nouvelle faute bête pour les Parisiens, service, le serveur qui mord la ligne. Et nouveau point gratuit pour Cesson. Un nouveau changement. Côté parisien, entrée en jeu du numéro 12, Dimitri Renault, à la place du numéro 3, Thibaut Braunstefer. Ah, l'entraîneur Joris Travers qui cherche des solutions hein, pour relancer son groupe, et notamment avant le deuxième set, parce que celui-ci paraît un peu condamné, hein, même si ce n'est jamais joué, 7 points d'avance, 20-13. Ça paraît bien parti dans ce premier set. Une nouvelle fois, il joue les mains. Le pointu parisien. Ah, il est à 4 points dans ce premier set. C'est clairement le meilleur marqueur du côté du PUC. Et la réponse du pointu, c'est sonné cette fois-ci. Ronan Chesneau. Ah, c'est bien ce qu'il fait Ronan, parce qu'il avait un bloc formé en face de lui, il vient chercher les mains, il est intelligent, il ne cherche pas forcément à forcer le jeu. Ah, nouvelle faute de service. Dommage, dommage. Mais on l'a dit, hein, ils peuvent prendre des risques, il faut vraiment mettre la réception parisienne sous pression. Et on a toujours 6 points d'avance. C'est bien reconstruit côté du PUC. Belle fixation, beau passage par le centre. Et belle attaque de Jonas Monsango. 16e point côté parisien, 16-11. Allez, Cesson. Très bien Maël qui s'est appliqué hein, sur sa relance pour donner un bon ballon à son passeur qui a pu servir Robin à l'aile. Et 22e point parisien. Cessonné. 22e point Cessonné. Cesson qui mène 22-16. Très important le travail des centraux, s'appliquer sur les relances. Travail qu'ils ne sont pas habitués à faire. Allez, troisième faute d'affilée au service. Allez, hein, malgré une prise de risque de temps en temps, il faut savoir remettre la balle dans le terrain. Allez, changement du côté du PUC, retour sur le terrain du numéro 3, Thibaut Braunstefer, à la place de Dimitri Renault. Et c'est à nouveau par le centre qu'on fait un nouveau point. Valentin Bezot qui continue, hein, tant que ça fait des points, les deux centraux très impliqués dans le jeu, Maël et Clément,
23e point pour les Sessonnois. Exactement, Bruno. Et puis c'est aussi peut-être pour préparer la suite et libérer les ailiers un peu plus tard dans le match, hein, qu'on passe par le centre tout de suite. Point parisien, 18-23. Et le pointu parisien au service, Guillaume Huetz. Nouveau bloc de Jonas Monsango, c'est son deuxième sur ce premier set. Attention, il a l'air de bien lire le jeu, hein, et bien placer ses mains. Oui, il est présent et très motivé. Il motive aussi toute son équipe. Grosse envie du numéro 11 parisien. 19-23. Allez, c'est l'avantage, hein, d'attaquer les Money Time avec de l'avance. Mais maintenant, il faut quand même faire tourner. Oui, c'est important de bien terminer le set. Hein. Allez, ils sont obligés, hein, forcément, avec 4 points de retard, de prendre des risques. Et c'est la première balle de match pour les Sessonnais. Je suis un peu en avance avec balle de match. Première balle de set pour les Sessonnais, 24-19. Service loupé, dommage, hein, sur une balle de 7 pour Robin. Allez, sérieux, il a juste un point à faire, 4 points à l'avance toujours pour les Sessonnais dans ce premier set. Sessonnais qui demandait le point, il la voyait bonne, mais non, l'arbitre a été attentif, cette attaque est hors des limites, cette attaque de Clément Adam. 21-24. Jonas Monsango au service. Et voilà, ça se termine sur une faute de fil. Premier set pour les Sessonnais. Allez, ça y est, un set déjà en poche. On va essayer d'aller chercher la victoire en 3 sets si possible, et surtout continuer sur la même lancée dans ce deuxième set. Oui, c'est important de confirmer d'entrée le résultat de ce premier set, Bruno. Alors j'ai aussi envie, hein, que potentiellement l'équipe du PUC se réveille un peu, peut-être coupe un peu les fautes, parce qu'ils ont fait énormément de fautes au service, ils ont dû faire presque une dizaine de fautes de service sur ce premier set, et si clairement ils veulent espérer rivaliser avec nos Sessonnais, il va falloir qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Allez, c'est le moment, vous êtes attentifs sur le live Facebook, c'est le moment du premier jeu pour gagner des canaux. C'est bon, tout le monde est prêt à répondre. Alors, attention, la première question arrive tout de suite. Donc, premier ou première qui répond, gagne un cadeau, t-shirt et casquette Boons Club. Allez, la première question va être en rapport avec justement ce Boons Club. Qui peut me donner la date de naissance du créateur du Boons Club? Qui peut me donner la date de naissance exacte, hein, pas l'année, jour, mois et année du créateur du Boons Club? Allez, tous à vos claviers, qui va donner la bonne réponse? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la réponse. Hein. J'ai un favori. Hein, je l'ai dit à Simon, je pense savoir qui va répondre en premier à cette question. Alors, je vous répète la question. Quelle est la date de naissance du créateur du Boons Club? Quelle est la date de naissance exacte du créateur du Boons Club? 1949. Oh là là, 24 juillet 72. Hein, non. Alors, pas loin. Il y en a qui sont pas loin, mais bon.
Non, 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 Mookie, c'est pas ça. Hop, 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 je viens de voir la réponse à Auré Colombe, 1-07-71. Oui, 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 c'est bien ça. Jojo, t'arrives en deuxième, je comptais sur toi, Jojo. Mais Auré Colombe t'a devancé, 1-07-71, c'est Auré Colombe qui gagne. T-shirt, donc Auré, il faudra me contacter. Il faudra me contacter sur mon Facebook perso, Bruno Lecornu, pour me donner ton adresse. Et je t'enverrai les cadeaux, t-shirt et casquette Boons Club. Allez, on va revenir au match, un bon premier set. Il y aura encore des cadeaux hein, à gagner, vous en faites pas. On va revenir au match, Simon. Bon premier set des Sessonnais, mais 4 points d'avance seulement, hein, alors que les Parisiens ont fait deux fautes de position, un service avec une erreur en mordant la ligne. Donc on peut se dire que, attention, attention, hein, le match n'est pas gagné pour autant. Hein. Exactement, et puis on a vu aussi, alors peut-être pas tout de suite s'inquiéter, mais beaucoup de fautes au service sur la fin du set aussi côté Sessonnais. Voilà, si on veut repartir dans de bonnes conditions sur le deuxième set, il va peut-être falloir baisser un petit peu la prise de risque, Bruno, le temps de se mettre dans de bonnes conditions. Oui, en tout cas, faire une bonne entame de deuxième set pour vraiment ne donner aucune chance aux Parisiens d'y croire. Ne pas les relancer dans ce match. C'est important la victoire du premier set, mais bien sûr, il faut enchaîner derrière. Et on espère que les Sessonnais vont continuer hein, sur leur lancée. Et on nous suit même sur la route des Landes, Bruno. Intéressant, bonnes vacances à vous. Eh oui, il suffit juste d'un petit portable. Hein. Sur le téléphone, hop, on peut mettre le match Facebook Live réalisé. À nouveau avec brio par toute l'équipe de Boldry Productions. Ah, c'est une équipe qu'on connaît bien. Ils sont aussi présents sur les estivales de volley. Ils font un super boulot, Boldry Productions. Allez, ça va repartir. Deuxième set. Alexis Fillon au service, numéro 6. Allez, c'est son. Gros bloc. Ah, on l'a cru, on y a cru, Simon, mais non, 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 la balle est out. Ça aurait été très bien de commencer par une grosse boîte, mais non, non, la balle est juste hors des limites. Et donc le premier point de ce deuxième set est pour l'équipe du PUC. Ah, ils ont vraiment du mal à trouver du rythme, hein, les Parisiens. Ils alternent. Bon service et service out. Ouais. Il nous donne hein, beaucoup de points. Il nous donne beaucoup de points. Qu'il continue comme ça, nous on prend. Hein. Il faut profiter, c'est clair. Ah, il est haut. Hein. Ibrahim Touré, côté PUC, il est haut aussi. On a Maël, nous, à Cesson. Mais Ibrahim, du côté du PUC, là, il est impressionnant aussi. Alors, on ne l'avait pas encore trop vu s'exprimer au centre. Voilà, beau point, belle hauteur pour Ibrahim Touré. Deuxième point, 2-1 pour le PUC. Très belle défense. Ah, ils se sont battus sur ce point, le PUC. Hein. C'est la première fois clairement que dans le jeu comme ça on les voit prendre l'ascendant sur un point. Ils enchaînent, hein, défense et point derrière. Numéro 3 bien placé sur cette pipe d'Alexis Fillon. Allez, c'est ça. Ah, le regard méchant de Valentin Bezeau. Ah, ça s'échauffe un petit peu. Ça là. S'échauffe un peu, attention les Parisiens qui n'aiment pas. Petite chambre hein, de Valentin Bezeau. Rien de méchant, c'est normal sur un ballon joué comme ça, hein, au filet. C'est à qui poussera le plus fort, à qui aura le plus d'abdos. Donc à ce jeu-là, cette fois-ci c'est Valentin qui a gagné. Ah, et puis ça fait partie du caractère du joueur aussi. Hein. Valentin, on sait qu'il aime ça, quand ça monte un peu en pression là, ça lui permet lui aussi d'élever son niveau de jeu.
Espérons, oui, que ça va vraiment le motiver. Il s'excuse, tout se passe bien. Auprès du numéro 6, Raphaël Baya. Allez, tout est rentré dans l'ordre. Bon état d'esprit pour l'instant sur le terrain. 2, 3. Ah, belle attaque. Belle attaque du pointu du Puc, Guillaume Huette. Et c'est dommage quand même que Ronan n'ait pas réussi à défendre ce ballon. Alors, je vous l'avais dit, il y en a un qui a une grande gueule. Vous ne le voyez pas sur les images, mais il est dans le carré des remplaçants. Il vient de prendre un carton jaune. Il s'agit de notre grand Juju. Juju qui vient de prendre un carton jaune, numéro 12. Oui, il monte son maillot. Oui, on est habitué au carton de Juju. Et oui, oui, allez, donnez des encouragements à Juju qui vient de prendre un carton. Allez, mais il ne faut pas faire de bêtises avec ça. Ça peut valoir un point s'il y a deuxième carton et carton rouge. Ce serait un point de pénalité pour les Cessonniers. Ah, faute de filet du numéro 3, Thibaut Braunstefer. Ah, j'avais cru, moi je croyais que c'était le bloc, mais non, non, c'est bien l'attaquant qui fait faute de filet. Allez, allez, tout de suite repasser devant, tout de suite remettre la pression sur cette équipe parisienne. Cette attaque, cette fois-ci, qui sort hors des limites du terrain, qui permet donc à Cesson de recoller au score. 4 égalités dans ce deuxième set. Oui, le libéro parisien qui tient bien à la réception. Attention, si le jeu, on l'a vu, hein, le meilleur marqueur côté parisien repose beaucoup sur le pointu. 7 points, il me semble, Simon, pour ce joueur. Et donc, si tout repose sur lui à un moment, ça va être difficile. C'est ça, Bruno. 7 points déjà pour Guillaume Huette, le pointu parisien. C'est intéressant. C'est le meilleur marqueur de cette équipe qu'il va falloir suivre de très près. Au service pour Paris, Ibrahim Touré. Et bel enchaînement d'Alexis. Réception et attaque en 4. Ah, tout à fait, il trouve une belle ligne là, hein. C'était important. On sait qu'il aime bien cet angle, Alexis, aller chercher la ligne pour mettre en difficulté. Et ce qui est bien, c'est que Valentin Bezeau varie à la passe. Il concerne tous ses joueurs, les centraux, les ailiers, son pointu. Tout le monde se sent concerné. Ah, au contraire, des Parisiens qui, vraiment, je le répète, hein, s'appuient sur leur jeu, le jeu de leur pointu. Là, on essaie de passer par le centre. C'est un jeu assez irrégulier, hein, des centraux. Profitons-en et on passe devant. 6-5. Oh, dommage, dommage, dommage. C'était un beau bloc, mais il y a une faute de fil. Oui, je crois que c'est le maillot de Maël qui touche le filet. Je le voyais agiter son maillot. C'est dommage parce qu'il était très, très bien placé. C'était fermé. Ça aurait fait un point, un joli point pour Cesson. Ah, ça met quand même le doute, hein, dans les têtes parisiennes. Belle attaque. Et à nouveau une faute de fil cessonnaise. Cette fois-ci c'est Maël. Ah, il va falloir couper ces petites fautes. J'ai l'impression qu'on a quelques petites approximations aussi côté Cessonnet. Un peu plus de mal à rentrer dans ce deuxième set. Et le bloc qui retombe sur le dos de Renan. Et premier temps mort technique avec l'équipe du PUC en tête. De 2 points dans ce deuxième set. 8-6 en faveur du PUC. Allez, hein, n'hésitez pas sur le live Facebook à liker, à partager, à commenter. Oui, oui, on suit tous vos commentaires. Donc, continuez à les encourager. On espère vite vous retrouver ici, salle Cerelen, pour mettre de l'ambiance. Allez, n'hésitez pas, n'hésitez pas.
mettez des encouragements. Allez Cesson, je vous rappelle, hein, tous les joueurs qui regardent après, regardent à nouveau le match et sont très heureux de sentir votre soutien à travers les réseaux, à travers le live. Vous étiez nombreux la semaine dernière contre Marseille, vous êtes encore très nombreux déjà à regarder ce direct live. Allez, objectif de ce deuxième set, revenir, passer devant et aller gagner ce deuxième set pour mener 2-0, ce sera très bien pour les Cessonniers. Oui, c'est clair. Au service, Émile Vallier, passeur de cette formation du PUC. Et c'est une faute. Allez, on profite de ces petites fautes. C'est important de savoir s'engouffrer dans la brèche et mettre des points, enfoncer le clou dans des moments comme ça. Pour l'instant, le jeu assez décousu des deux côtés. Beaucoup de fautes, beaucoup de fautes. On ne retrouve pas la qualité pour l'instant des Cessonniers, notamment la qualité la semaine dernière contre Marseille. Ils avaient fait un excellent match, à part cette fin de premier set. Là, ils ont fait un bon premier set avec des fautes également et on retrouve ces fautes. C'est dommage. Dans le deuxième set, il va falloir augmenter le niveau de jeu. Et voilà, je vous le disais, à nouveau faute côté parisien. Oui, on nous le fait même remarquer dans les commentaires, Bruno, en direct, pas mal de déchets au service. On est d'accord avec ce point de vue. Oui, il va falloir retrouver une stabilité dans le jeu, notamment ça commence par le service pour les Cessonniers. Allez, Alexis. Qui assure sa mise en jeu et ça met en difficulté la réception. On a eu peur que cette défense... Pleine poitrine, ne tombe dans le terrain, mais c'est un beau point. Voilà, ça suffit parfois. Bon service flottant d'Alexis. Et c'est Maël qui termine en puissance au centre. Tu as raison Bruno, assurer le service, ça suffit. Ah, dommage de ne pas la garder celle-là. Nouveau point pour le pointu, mais il ne va pas tenir, il va pas tenir 3-7 comme ça le pointu. Il a tous les ballons, il a beaucoup, beaucoup de ballons. On voit déjà sur son visage, il est fatigué déjà, c'est le deuxième set. Il va falloir que le passeur parisien trouve d'autres solutions. Oui, parce que ce joueur, il ne va pas pouvoir tenir éternellement à ce niveau de jeu et à ce rythme, c'est pas possible. Allez, encore une faute de service. Il n'est pas aidé par ses partenaires, trop de fautes du côté parisien. Oui, c'est Jonas Mosongo, c'est sa deuxième faute de service, sur deux services. C'est un peu trop, oui, dans ce deuxième set. Pour l'instant, l'entraîneur parisien qui reste calme, Joris Travers. Au service de Maël. Oh, dommage, tout le monde, côté Cessonnet. Ah, c'est pas fréquent chez les Cessonnet que personne n'aille se battre pour défendre ce ballon. Ça ne fait pas partie de l'ADN Cessonnet. Normalement, c'est la bagarre. Interdiction de laisser tomber un ballon gratuit pour l'adversaire. Allez, c'est serré, c'est du mano à mano. 11-10 pour les Parisiens. Bien la réception. Oui, oui, la balle est touchée. Encore une attaque puissante de Robin à l'aile. Nouveau point pour Robin. Ça fait 6 points pour Robin depuis le début du match. C'est le meilleur marqueur côté Cessonnet. Ah, c'est l'une des solutions au volleyball. Allez, j'ai pas d'angle, j'ai rien. Je tape très fort dans les mains. C'est ce qu'a choisi le numéro 6 parisien, Raphaël Baya. Et ça fait point. On retrouve Raphaël Baya au service. Ah, dès que la réception arrive. On peut souligner le travail de Mathieu Ogas. Travail de l'ombre en réception et qui met dans de très bonnes conditions. Son passeur qui peut à nouveau passer par le centre et Clément Adam toujours présent. Allez, 12 égalités, il faut passer devant et aller chercher le deuxième temps en technique. Et c'est un ace.
Ace pour Robin Huttrell, toujours avec son gros service. Hein. Alors cette fois-ci, oui, gros service, un tout petit peu moins puissant, mais il a mis de l'angle. Et d'habitude, il tapait droit, fort, devant. Mais là, c'est le réceptionneur qui est en plein centre, le libéro qui tenait cette réception. Là, il a juste choisi de tourner un tout petit peu. Et c'est un ace, c'est parfait. Et donc, temps mort demandé par l'entraîneur Joris Travers pour couper l'élan du serveur, Robin. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment partie de la tactique au volleyball de pouvoir prendre des temps morts pour déstabiliser l'adversaire. Là, en l'occurrence, couper le bras de Robin. Il sait que c'est le meilleur serveur de notre équipe de saison. Et donc, il cherche à faire que Robin prenne un petit peu moins de risques, soit en tout cas un peu plus en difficulté au moment de son service. Allez, espérons qu'il va continuer comme ça, Robin. Peut-être taper un tout petit peu moins fort et chercher des zones et éviter le libéro qui, pour l'instant, le libéro parisien qui tient bien à la réception. Allez, c'est reparti, les Sessonais qui sont passés devant, 13-12. Il faut conserver la tête dans ce deuxième set. Allez, allez, Sesson. Et Bruno, je vois que Raphaël Corr nous regarde, passeur de l'équipe de Chaumont en Liga. Salut Raphaël. Salut Raph. Ah, il se trouve bien avec le central Ibrahim Touré. Hein. Lui et le passeur, on sent qu'ils ont une bonne relation. Oui, lorsque la réception est bonne, il arrive à passer par le centre, le passeur parisien. Et donc soulager un peu, comme on l'a dit, hein, son pointu. 13 égalité. Ah, c'est bien pour Ronan qui trouve. Belle distribution aussi, côté Sessonnet. Belle distribution de Valentin Bezeau. Et la hargne de Ronan Chesneau. Allez, quelle équipe va réussir à faire un petit break dans ce deuxième set? Très belle réception. Oh là, nous on est dans l'axe du filet, on a du mal à voir. Enfin, il y a le poteau qui nous cache. Alors, l'arbitre dit qu'elle est tombée côté Sessonnet. Les Sessonnets sont sûrs qu'ils ont mis un bloc. Alors attendez, le premier arbitre appelle le second. Il y a un doute, hein. Simon, moi je ne vois pas. De notre position, c'est vrai que c'est très compliqué. Ils ont l'air très sûrs, hein, les Sessonnets, hein, qui a eu bloc et qu'elle est tombée côté parisien. Le premier arbitre lui pense que c'est une boîte aux lettres, qu'elle est tombée côté Sessonnets. Alors, discussion entre le premier et le deuxième arbitre, c'est important. Hein. 14 égalités actuellement au score. Peut-être que Boldry, pour les prochaines fois, pourrait nous faire des ralentis pour qu'on puisse revoir ça en direct. Et donc le point qui est accordé aux Parisiens, 14 égalités. Pour lui, pour le premier arbitre, c'est une boîte aux lettres, et donc en Parisien. 14 égalités. Au serveur, le passeur parisien, numéro 7, Émile Vallier. Passeur et capitaine de cette formation. Superbe réception, c'est dommage. Petite incompréhension entre les joueurs sessonnais en défense. Hein. Oui, je crois qu'il y a une option de ne pas les contrer, c'était une erreur. Belle pipe, dommage. Ah, c'est bien varié par le numéro 3 là. Belle défense, hein, il faut le souligner, du libéro parisien numéro 1. Belle défense du libéro et il permet à son équipe de mener de 2 points au temps mort. 16-14 en faveur des Parisiens dans ce deuxième set. C'est rien, 2 petits points de retard pour les Sessonnets. Et Simon, je crois que tu as un petit message à faire passer. On va profiter de ce temps mort. Tout à fait Bruno, je voulais et on tenait tous les deux à avoir une pensée pour la section amateur du club qui ne peut plus jouer hein, depuis maintenant 2 mois. On sait que ça leur manque parce que Sesson bien sûr, alors c'est cette équipe senior qui évolue au niveau élite qui nous fait rêver depuis maintenant 2 ans, mais c'est aussi et surtout une section amateur super dynamique. Et donc on a une pensée pour la N3 et la pré-nationale masculine, la pré-nationale et la région féminine. Et bien sûr les équipes jeunes qui font eux aussi la fierté du club. On vous souhaite à tous
de très belles fêtes de fin d'année et on espère bien évidemment se retrouver à la salle de Stéréden et sur les terrains pour taper la balle ensemble. Merci, merci Simon. Oui, effectivement, hein. Cesson, c'est un club convivial qui n'a pas juste une seule équipe au niveau national élite, mais tout un club derrière. Bravo aux formateurs, aux entraîneurs de ce club, Valentin Brouck, Cyril Vec, Marc Pelé. Donc bravo à eux. C'est aussi la marque de fabrique du club. Oui, oui, hein, c'est une belle formation des jeunes et c'est eux qu'on retrouve ensuite, ces jeunes sur le terrain, des jeunes formés à Cesson. Bravo aux entraîneurs de Cesson. Allez, repartir vers l'avant pour les Cessonnés dans cette fin de deuxième set. Un petit point d'écart entre les deux équipes, 15-16. Ah, le passeur parisien qui a vu hein, qu'il fallait jouer avec ses centraux. Deuxième point gagnant hein, pour les centraux. Changement côté parisien. Entrée en jeu du numéro 12, Dimitri Renault à la place du numéro 3, Thibaut Brunstetter. Ah, là encore, on est sur un changement tactique au niveau du service. C'est bien battu. Mais ça ne suffira pas. Oui, encore une sacrée hauteur. Hein. Sacrée hauteur pour Maël. Belle présence de Maël au centre. Mais attention, hein, laissez sonner. Il faut passer devant, il faut passer devant. On est toujours un petit point derrière. Allez, faire l'effort, bloc défense. Bien servi. Ah, dommage. Block out. Ça fait break. Pas encore trouvé hein, assez d'efficacité au bloc pour mettre le doute dans les têtes parisiennes. Entrée en jeu à nouveau. Entrée tactique pour les Parisiens. Entrée du numéro 18 au service. Raphaël Ossard à la place du numéro 11, Jonas Ponsango. Il faut bonifier. Nouveau point, nouveau passage au centre qui marche pour le PUC. Troisième point pour Ibrahim Touré. Tous marqués dans ce set, Bruno. 5 points pour les centraux du PUC marqués dans ce deuxième set. Ah, et cela oblige Valentin Brouck à prendre un temps mort. Petite avance de 3 points pour les Parisiens dans ce deuxième set. Alors on suit hein, vos commentaires. Alors oui, très étonnant, on l'a dit, hein, l'équipe du PUC, c'est un centre de formation. Et on nous donne des infos. Alors. On nous dit que le 3 et le 12 ont 15 ans et c'est fortement possible. Hein. C'est, non, j'ai vu hein, moi sur la feuille de match, il y a des doubles surclassements. Donc vraiment une équipe très jeune. Allez, il faut continuer à mettre la pression. Normalement les jeunes, hein, ça peut craquer. Pour l'instant, ils ne craquent pas. Au contraire, ils sont devant dans ce deuxième set, 19-16. Allez, ne pas les laisser revenir à un set partout. Ah, c'est ça qui est vraiment particulier avec ce type d'équipe, Bruno. On le disait dès le début du match. C'est des équipes qui sont très irrégulières dans le jeu, qui sont capables du pire comme du meilleur. Et là, en l'occurrence, on dirait qu'ils ont bien décidé d'élever leur niveau de jeu et pour proposer une autre opposition, un autre match à cette équipe à notre équipe de saison. Allez, c'est reparti. Tout de suite recollé avant d'attaquer le money time. Toujours le 18 au service, Raphaël Ossard. Superbe réception. Et à nouveau le centre. Ah, on vous le dit, hein, on nous regarde partout sur ce live Facebook, même de Bali. Allez, entrée en jeu, attention, sur le terrain, entrée en jeu du numéro 16, Arnaud Pélan, à la place du numéro 4, Maël Lemaire. Arnaud Pélan, joueur de cette formation élite, mais également président du club de Cesson, Volley, Saint-Brieuc, Côte d'Armor. Là, et Arnaud à la passe. Arnaud au service, pardon. Si je comprends bien, il ne rentre pas pour prendre la passe. Hein. Il est vraiment là pour servir. Ah, il est important ce bloc. Ah, il est important. Hein. Il est passeur parisien qui continuait. Hein. Il avait trouvé la solution avec ses centraux. Mais là, le bloc attentif. Bloc de Clément Adam et Valentin Bezeau. Bien attentif sur cette attaque décalée. 18-19. Allez, on est revenu un petit point. Allez, c'est maintenant.
dans la défense. Ah dommage, dommage, c'était défendu par Ronan. Alexis qui zippe un peu son attaque. Allez, c'est rien, on a fait un point. Changement, c'est sonné. Maël reprend sa place, puis cède sa place au libéro puisqu'il est sur la ligne arrière. Arrière, on retrouve Mathieu Ogas en réception défense du côté Sessonné. 20-18 pour le PUC en cette fin de set, cette fin de deuxième set. Ah, il faut faire le side, là, c'est important. On rentre dans le money time, il faut répondre tout de suite. Et merci. Alors on espère justement, hein, c'est souvent un money time, c'est là qu'il faut être fort dans la tête. Alors est-ce que les jeunes parisiens vont tenir? Un petit point de retard pour Sesson, 19-20. Et nouveau bloc, Sessonné. Et oui, ils sont là. Pas beaucoup de solutions. Un seul attaquant, il ne joue pas par le centre. Le central vient de se faire bloquer. Maintenant, c'est l'ailier qui vient de se faire bloquer. 20 égalité. Oui, et tu le disais tout à l'heure, hein, Bruno, il fallait qu'on arrive à être plus présent au bloc. C'est désormais chose faite. Et l'agressivité de Valentin Bezot au service. Un zip de la réception. Ah oui, on met en difficulté le numéro 6, hein, qui est réceptionneur et à la fois attaquant au poste 4. Et temps mort demandé par l'entraîneur Joris Travers, l'entraîneur parisien. Allez, on est passé devant, justement. Au money time, c'est le bon moment pour passer devant et mettre la pression sur les Parisiens. Ah là, il va falloir serrer le jeu, c'est clair, c'est super important de rentrer et revenir après ce temps mort avec beaucoup d'agressivité sur le terrain pour mettre ces 4 petits points, Bruno, qui nous permettraient de remporter le deuxième set. Oui, et mener 2-0 serait très important, hein, parce que là, on le sent, les Parisiens qui sont capables d'offrir une résistance aux Sessonnais, mais qui sont aussi capables de vraiment faire des fautes et qui sont assez irréguliers dans le niveau qu'ils proposent. Et on ne cessera de le répéter, c'est un centre de formation avec de jeunes joueurs qui forcément, dans les moments difficiles, peuvent craquer. Allez, c'est reparti. C'est Sesson qui mène 21-20. Toujours Valentin Bezot au service sur la même série. Un service agressif, ça flotte fort. Voilà, si vous voyez la position, hein, des réceptionneurs parisiens, je pense qu'il va encore essayer de jouer, hein, sur le réceptionneur attaquant de la ligne avant au numéro 6 pour le gêner. Il n'y a pas de centre, il est obligé de passer par le centre et c'est une faute au centre. Voilà, c'est un très bon choix, hein, au service, bon choix tactique de Valentin, venir jouer sur le réceptionneur attaquant. Ah, les joueurs du PUC qui réclament, je crois que le ballon soit touché, mais non, Mono, hein, c'est bien. Non, elle n'est pas touchée du tout. Le passeur toujours devant, deux attaquants à sa disposition. Va-t-il jouer avec le pointu? Ah bah, elle est freinée, bien défendue par Mathieu. Oh, superbe attaque pour Robin Hutrel, 23-20, et maintenant c'est Sesson qui mène de 3 points. Ah, c'est ça, c'est pas forcément les attaques les plus impressionnantes, mais grande diagonale comme ça, c'est injouable, injouable. Oui, et il transforme son service flottant en un service matché. Fond de terrain, c'est un ace pour Valentin. Balle de 7 pour les Sessonnais, 24-20. Il nous fait du bien là en cette fin de set. Oui, on a été mené tout le set, ce n'est pas fini, hein, faut mettre le 25e. Belle attaque, hein, sur la ligne pour le pointu, mais on est passé devant et on a toujours une balle de 7 en notre faveur. Changement et retour sur le terrain, changement côté parisien, retour sur le terrain du numéro 3, Thibaut Ronstepher. C'est le numéro 6, Raphaël Baya, qui sert. Balle de match, pour balle de 7, pardon, pour Sesson. Superbe réception. Ah oui, hein. Quel magnifique travail de Mathieu Ogas sur ce caviar qu'il donne à Valentin. Deuxième set pour les Sessonnais. Oui, c'est Ronan qui finit, Ronan qui est bien. Et Ronan, voilà. 5 points déjà pour lui. Peu de ballons, mais lorsqu'il les négocie très bien, le jeu est toujours, hein, très bien réparti de la part du passeur briochin Valentin Bezot. Oui, il varie énormément aujourd'hui, Bruno. Peut-être plus que la semaine dernière, justement. On se souvient que Arnaud Pellant a fait son entrée courant de troisième set, il me semble, sur le dernier match. Tout à fait. Arnaud qui était rentré, qui avait effectué une excellente rentrée en distribuant tout très bien le match. Et là, c'est Valentin, hein, qui, pour l'instant, distribue très bien ce match. Et surtout, un super passage au service. Il avait une grosse pression sur les réceptionneurs en fin de set.
Allez, je l'avais dit, hein. Les jeunes, attention, c'est fin de set, ils ont mené tout le set. Hein. Jusqu'à 20, ils étaient devant. Et voilà, et on gagne 25-21 ce deuxième set. Allez, on enchaîne parce que ça va vite repartir le match. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Oui, vous êtes sur le live Facebook. Vous voulez gagner des cadeaux? Eh bien, attention, la prochaine question arrive tout de suite. Elle est assez simple, mais il va falloir être le premier à répondre. Le premier ou la première à répondre à la prochaine question sur le live Facebook. Alors, c'est toujours à propos du Bounce Club, partenaire de ce match ce soir. Alors, la question est la suivante. Qui va répondre en premier? C'est assez simple. Bounce. Bounce. Alors, c'est en anglais, Bounce. Qui peut me donner la traduction en français? La traduction en français de Bounce. Allez, à vos ordinateurs. Le plus rapide sur l'ordinateur. À moi qui est vraiment quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue anglaise. Bounce, en français, cela donne. La première personne que je vois marquer la bonne traduction gagne un cadeau. Allez, à vos ordi, qui va être le plus rapide sur les ordinateurs? Bonbon, non, ce n'est pas bonbon. Allez, je regarde. Hein. Alors, rebond, non. Aubin, stop. Arnaud Alves, Aubin, oui, il a dû regarder, je pense, sur... Eh oui, la traduction de Boots en français, c'est Aubin. Donc c'est gagné pour Arnaud Alves, n'oublie pas de m'envoyer ton adresse pour que je t'envoie t-shirt et casquette Boons Club. Donc sur mon Facebook perso ou par Messenger, enfin peu importe, il faut que tu me donnes ton adresse. Et tu as gagné, c'était bien Aubin. Allez, il y aura encore des cadeaux à gagner. On essaiera de faire gagner encore une fois. Peut-être au temps mort technique, en espérant qu'il n'y ait que 3-7. Hein. Donc au temps mort technique de 16, il y aura peut-être encore une question. Donc restez à l'affût pour gagner des cadeaux. Ah, excellent l'anglais, Arnaud, on n'en doute pas. Tu connaissais la réponse. Allez, en tout cas, tu as gagné. Arnaud Alves a remporté le deuxième cadeau de la soirée. Allez, mais surtout le gros cadeau que peuvent nous faire les Sessonais. Simon, ce soir, ce serait une victoire avant les fêtes de Noël. Ce serait parfait. Hein. Une belle victoire 3-0, on l'espère. 3 points, remonter dans le classement. Ce serait vraiment très bien comme cadeau de Noël pour tous les supporters Sessonais. Ah bah c'est clair, on commencera les vacances sur une super note. Et puis de la confiance pour l'année 2021 parce que le championnat est loin d'être fini. Donc il faut engranger un maximum de points pour se mettre dans une situation des plus confortables. Et être serein pour la fin de la saison là. Oui, parce qu'après un bon début de saison, hein, on rappelle le premier match, Cesson avait perdu, mais uniquement 3-2 contre l'équipe actuellement leader, Arne, et donc avait marqué son premier point. Ensuite, il y a eu deux matchs difficiles, hein, avec deux défaites contre Beauvais et Conflans. Et suite à leur victoire à Baudry, ils ont enchaîné contre Marseille, ce serait très bien d'enchaîner contre le PUC. Et à la rentrée, hein, je vous rappelle, le prochain match ici à Stéréden, ce sera Cesson recevra le club de Charenton le 9 janvier. Équipe également, on va dire, du bas de tableau. Et donc, continuer d'engranger les points avant d'attaquer les Playdorn. Et pourquoi pas ne pas être dans les Playdorn et remonter dans le classement. Et donc, s'éviter des frayeurs de fin de saison en étant tout simplement qualifié pour les playoffs. Et donc, dans ce cas-là, d'assurer, dès la première phase, le maintien. Ah, ça serait une belle récompense pour nos Cessonnais parce qu'on sait qu'ils travaillent fort. Hein. Là, les derniers temps, ils ont... fait plus d'entraînement, renforcer les sessions physiques, beaucoup bosser le collectif. Ils ont aussi rajouté des sessions individuelles, il me semble, Bruno. Donc c'est vraiment, ils ont travaillé fort pour en arriver là. Il y a eu un très très gros travail sous la houlette de Valentin Brook. Pendant le confinement, ils ont eu beaucoup de séances, beaucoup de travail et du travail physique, comme tu le soulignes, Simon. Et ça se voit sur le terrain, des joueurs qui sont affûtés. Alors on espère hein, bientôt le retour. De nos deux autres joueurs hein, qui pour l'instant sont blessés, Arthur Ribou et Julien Royer. Allez, c'est reparti, troisième set. Et ça combine. Ballon, petite passe intérieure, très bien joué de la part de Valentin Bezo qui permet à Robin de s'ouvrir la diagonale et de rentrer fort dans le ballon. Premier point pour notre équipe de Cesson. Ah, il aime ça, Robin, taper fort dans le ballon. Taper ballon, ça il aime ça, hein, Robin. Allez, et ça fait un point. Allez, le service. Balle ralentie. Belle défense, hein, bien débrouillée.
Dommage, dommage. Alors, contestation de Valentin. On demande au deuxième arbitre une faute sifflée. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. On reste dans la même dynamique côté Sessonnet, hein, partout dans ce troisième set après de cette victorieux 25-21. Ah, mésentente entre les réceptionneurs. Mathieu Ogas et Alexis Fillon. Allez, allez. Ne pas se polluer l'esprit. Restez concentré. Pensez à son jeu. C'est l'essentiel pour les Sessonnet. Ils mènent 2-0. Ils doivent jouer libéré dans ce troisième set. Très belle réception cette fois-ci. Voilà. Grosse attaque, hein. Grosse attaque de Robin. Oui, oui. Toujours Robin. Pourvoyeur essentiel de points pour les Sessonnet, il me semble, hein, Simon. Meilleur marqueur, oui, oui. Il est à 10 points déjà. 10 points depuis le début du match pour Robin. Et il est à l'attaque, il est également présent au bloc. Nouveau point Sessonnet, Sesson qui mène, 3-2. Ah, c'est important parce que de le bloquer, le pointu du puc, parce que c'est lui le meilleur marqueur depuis le début de ce match, il est à 12 points. On n'arrive pas à le prendre, hein, le central. Ah, il est bien haut, Ibrahim Touré. Heureusement, le passeur ne joue pas énormément sur lui. Il faut également, bien sûr, que la réception parisienne soit de niveau pour qu'il puisse jouer au centre. Bien débrouillé, Roland. Bizarre, hein, de voir des fautes en passe à 10 doigts comme ça, direct dans le filet. Oui, à ce niveau-là, c'est bizarre. Là, un peu... il est sorti un peu du match, j'ai l'impression. Le numéro 6, Raphaël Baya, tout à l'heure, sur la série de services qu'il a mis en difficulté en fin de deuxième set. Et à nouveau. Ah, ça sera peut-être la solution. Pour l'instant, c'est la solution pour le passeur parisien, passé par son central. Il joue bien, il croise, il décroise, il joue toutes les zones. Difficile à prendre pour le central Sessonnet. Ah, une belle efficacité pour Ibrahim Touré, le central du PUC. Ah là, voilà, c'est fait porter. Point Sessonnet. Sesson toujours devant dans ce troisième set. 5-4. Allez, Clément Adam au service. Une petite série, Clément. On sait qu'il est capable, hein, de mettre une réception adverse en difficulté avec son service matché flottant. Et à nouveau le central parisien. On vous le disait, hein, il fait preuve d'une grande efficacité. C'est 3 ballons, 3 points. C'est lui qui récupère le side à chaque fois. Le passeur a raison de lui la remettre tant que ça fonctionne. Ah, c'est sûr, hein, tant qu'il fait du point. Il faut continuer, c'est un bon choix. Il libère un peu de pression sur ses ailiers. Ah, par contre, il est moins bon au service là sur cette action. Service dans le filet, merci. Merci, merci Jonas Monsango pour ce point gratuit pour les Sessonnets qui restent devant toujours d'un petit point. Bien servi, Ronan. Et voilà, lorsque la réception est un peu. N'est pas de même qualité, forcément le passeur ne peut plus passer par ses centraux. Et là, les ailiers sont attendus par un bloc Sessonnet bien formé. Nouveau point pour Sesson. Ah, et puis Maël, quand il est en place, ça passe pas. Non, non, il y a un mur en face. Oh, nouveau super service pour Ronan. Et voilà, nouveau bloc, ça y est, ils sont en place au bloc. Hein. Ils ont bien, après 2-7, ils arrivent bien à lire le jeu des Parisiens. Temps mort à 8 en faveur des Sessonnets, 8-5. Allez, ça fait deux blocs d'affilée pour Maël. Il est à 8 points, hein, pour à nouveau une nouvelle belle performance de la part de Maël Lemeur ce soir. Oui, très présent. Cet après-midi, oui, Simon, on n'est pas le soir encore. On a le temps avant 20h de rentrer avant le couvre-feu. Hein. On a le temps de finir le match et d'aller boire l'apéro. Allez, j'espère que bientôt on vous retrouvera tous ici, salle Sereden, pour mettre le feu. Je vous rappelle, vous êtes le meilleur public
au niveau national, à ce niveau-là, au niveau élite, hein, entre 500 et 800 spectateurs à chaque match. Et vous êtes un soutien formidable pour les joueurs lorsque vous êtes présent ici, Salle Sterreden. Mais vous êtes également un soutien formidable lorsque vous êtes présent sur le live Facebook en les encourageant, car les joueurs, hein, entraîneurs, tout le staff sessonnais regarde ensuite, après le match, regarde à nouveau et voit qu'ils ont été suivis et encouragés et que vous êtes toujours derrière eux. Ah, on a hâte de vous retrouver ici, hein, à Sterreden. Allez, c'est reparti pour le match. 8-5 en faveur des sessonnais dans ce troisième set. Sesson qui mène 2-7-0. Ah, c'est bien d'avoir pris ce premier temps mort. Maintenant, il faut confirmer, il faut creuser l'écart dans ce troisième set et montrer qu'on veut ramener les 3 points à la maison. Ouais, super service à nouveau. Roland, belle série au service qui lâche le bras, met en difficulté la réception parisienne, retour direct. Et c'est Alexis Fillon qui finit le point. 4 points d'avance maintenant. Ah, il joue juste, je trouve, ce soir, Roland. Il fait les bons choix. Voilà, Robin qui est parti démonter les tribunes pendant le point. Heureusement, il ne s'est pas fait mal. Hein. J'ai eu peur à un moment, ce serait bête d'aller se blesser en essayant de défendre un ballon. Ah, surtout que là, il avait peu de chance, hein, quand même, de la remonter, celle-là. Oui, j'ai pas compris où il a pas vu la pancarte publicitaire. Bon, en tout cas, il est toujours sur le terrain, notre Robin, et il va encore mettre des chiches. Dur ce qu'il lui demande. Il y a une petite faute de passe là pour Valentin, c'est pas grave. Allez, on est toujours devant, 2 points d'avance. On nous demande, Bruno, dans les commentaires, combien est Sesson au classement de ce championnat d'élite. Actuellement, Sesson est 8e et avec une victoire 3 à 3 points, il pourrait remonter à la 5e place, 6e place et vraiment se mettre au chaud pour l'instant au milieu de tableau. Donc la victoire est nécessaire et très intéressante. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué plus de matchs que Sesson. Je prends Beauvais qui a 3 victoires également, mais déjà 5 défaites. Grenoble qui a 3 victoires également et 3 défaites comme Sesson. Et donc on reviendrait par exemple à nombre de matchs égaux avec l'équipe de Grenoble à 10 points. Donc ce serait vraiment très intéressant de finaliser par une victoire cet après-midi. En parlant de l'équipe de Grenoble, on pense une petite pensée pour Guigui. Guigui qui nous regarde, je l'ai vu, il est en direct avec nous. Ah bah oui, bien sûr, hein, fidèle des estivales. Hein. On espère, hein, tous se retrouver pour la 30e édition des estivales cet été. Allez, revenons au match, hein, des estivales, c'est cet été. Le match de Sesson, on en reparlera tout à l'heure au temps mort des estivales. Pour l'instant ici à Sterreden, c'est Sesson qui mène 11-7 dans ce troisième set. Et à nouveau, la solution pour les Parisiens passe par le centre. Mais pour cela... Beau travail du libéro parisien depuis le début du match. Lui, il fait son match, le numéro 1, Théo Garnon. Ah, sur 8 points marqués, Bruno, c'est 4 points où il passe par le centre. Ça fonctionne, hein, pour le PUC, le jeu avec les centraux. Oh, magnifique. Bel effort de Valentin pour jouer cette fixe arrière. À une main sur Maël. Maël qui a un temps de suspension d'environ 4 secondes et demie. Alors, en tout cas, il est resté très très haut. Grosse sangle abdominale pour Maël, c'est pour ça qu'il reste aussi haut. Hein. Très important. Allez, Maël au service maintenant. Super service. Ah, dommage, le choix de Valentin. Allez, je ne sais pas si tu as remarqué, Simon, mais Maël a changé son service. Hein. D'habitude, là, il a vraiment un service matché. Fort, il sert vraiment ce matché fort. D'habitude, il sert flottant, fini légèrement enroulé ce matché, mais là, il lâche le bras ce soir. Il y a peut-être eu des consignes de Valentin pour un nouveau service pour Maël et ça marche pas mal, hein, ce soir. C'est intéressant, oui. Belle relance. Ah, ils ne lâchent pas, hein, c'est bien. Hein. Les Parisiens, ils ne lâchent pas. Ça va être difficile pour eux, mais pour l'instant, ils continuent à s'accrocher. Toujours Sesson devant. Tout à fait, on ne s'inquiète pas. Hein, c'est le premier bloc que Robin prend depuis le début du match. Ça fait aussi partie du jeu. Il
bien tenu la réception. Un nouveau point par le centre. Allez, allez, c'est rien, c'est rien. Alors peut-être, attention, hein, que les Parisiens vont se libérer. Ils sont menés de 7 à 0, ils n'ont plus rien à perdre. Maintenant, il faut tout donner pour eux dans ce troisième set. Allez, on remet les choses en place. Robin, grosse attaque. Non, non, c'est nous qui sommes devant. C'est bien, Cesson. Allez, Cesson. Allez, Cesson. Ah, je pense que peut-être la passe était un peu plus haute aussi, Bruno, ce qui fait que Robin a moins eu à forcer le jeu pour rentrer dans ce ballon et mettre surtout le ballon par terre, parce que c'est ça qui compte. Avec finesse, l'ailier numéro 6, Raphaël Baya, qui joue des mains du bloc sessonné, ne cherche pas la frappe puissante. Elle a une belle palette technique, ce joueur, on sent que... Il sait tout faire avec ses mains. Allez, 13 égalité, allez, allez, allez. Ne vraiment ne pas leur laisser l'espoir d'accrocher un set aux Parisiens. C'est difficile, le ballon est compliqué à négocier pour Ronan là. Oui, oui. Passeur, hein. Cessonnet un peu en difficulté, Valentin Bezo, allez, on va changer de passeur côté Cessonnet, entrée en jeu du numéro 16. Arnaud Pélan à la place du numéro 2, Valentin Bezo, on espère qu'Arnaud va nous faire la même prestation que la semaine dernière contre Marseille, il avait fait une excellente entrée avec une très très bonne distribution du jeu. Oui, on voit Valentin sortir avec un peu de frustration, Bruno, je pense qu'il est déçu de lui, il va se reconcentrer, se remobiliser pour être à nouveau disponible. Allez, là, il y en a un qui est toujours là, c'est Robin Huttrel. À nouveau, point sur la grande diague, 14 égalités. Et Robin qui passe devant au classement des meilleurs marqueurs de ce match, puisqu'il vient de marquer, Bruno, son 13e point. À 13 points, très intéressant pour Robin Huttrel, le canonnier cessonnet. Gros, gros service. Oh oui, encore un énorme service. Ils s'en sortent les Parisiens sur cette attaque du pointu. Guillaume Huetz, également un meilleur marqueur de son équipe, il me semble, Simon. Tout à fait, ils sont égalité, Robin et le pointu Guillaume Huetz, le pointu de Paris, à 13 points, tous les deux marqués dans cette rencontre. Allez, changement côté parisien, entrée en jeu du numéro 10, Ethan Nambué. Bien, 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 Alexis qui n'a pas eu beaucoup de ballons hein, depuis le début du match. Et là, il se débrouille très bien sur cette attaque. Allez, 15 égalités. Hein, ça ressemble un peu au deuxième set. Hein, tout à l'heure, les deux équipes qui restaient scotchées l'une à l'autre. Espérons une même fin de set pour les Cessonnais en terminant plus fort ce set que les Parisiens. Belle réception. Ah, c'est bien ce qu'ils ont fait les Cessonnais là. Superbe défense, superbe effort. Ah, c'est pas payé, c'est dommage, mais bravo à eux, bravo, ouais, belle bagarre. Oui, oui, nouvelle fois. Hein. Ronan qui montre le chemin pour les Cessonnais. La bagarre, la bagarre. Oui. Allez, on a un petit point, on a un petit point. Il n'y a pas péril dans la demeure. On mène 2-7 à 0, 25-21, 25-21 dans ce match. Contre le PUC cet après-midi, match important pour les Cessonnais. Enchaîner une troisième victoire ce soir serait très très bien. 16-15 actuellement dans le troisième set pour le PUC. Mais ce n'est pas joué, on va aller chercher hein. La victoire, 3 points on l'espère. Avec 2 sets déjà, on assure minimum un point. Ouais, faudrait... Mais on veut les 3 points pour se replacer dans ce championnat élite. Allez, les joueurs qui font leur retour sur le terrain, au service, Jonas Monsango. Merci Maxime, ouais. Encore un final des estivales, Maxime Godefroy qui est devant le live Facebook, coucou Maxime.
Et autant pour moi, c'est Ibrahim Touré qui est au service, Bruno, pardon. Allez, c'est reparti après. Oh, j'ai oublié de vous poser la question, je vous la poserai tout à l'heure rapidement. Allez, j'en profite maintenant, là, il y a une petite discussion au niveau des arbitres. La question, la troisième question pour gagner des cadeaux au Boons Club. Attention, vous êtes prêts. Quel joueur a déjà remporté une étape des Estis en national? Quel joueur de l'équipe de Cesson a remporté une étape des Estis en national? Allez, la réponse est simple pour ceux qui connaissent bien les estivales de volleyball des Côtes d'Armor, 30e édition, on l'espère en 2021. Quel joueur a remporté une étape du tournoi national des estivales? Qui va me donner en premier la bonne réponse? Oui, voilà, oh Arnaud, c'est trop facile, Arnaud Alves, Valentin Bezeau, oui, deuxième fois que tu gagnes Arnaud. C'est la complète, allez attention, retour de Valentin Bezeau, le voici justement, celui qui a déjà remporté une fois les estivales, il revient sur le terrain. Hop, il a fait refroidir un peu la tête, il revient motivé pour terminer le travail, hein, après deux excellents sets. Bon intermède d'Arnaud Pellan à la passe, et on retrouve Valentin Bezeau sur le terrain, 16 égalités. Allez, encore la bagarre. À l'entrée, hein. Technique bizarre, hein. Je pense que c'est un jeune joueur, hein, le numéro 10. Et voilà, on va retrouver le numéro 3, le numéro 10 qui avait fait une entrée. Le numéro 10, Ethan Nambué. Et on retrouve Thibaut Braunsteffer sur le terrain pour les Parisiens. Ah, il y a mon t-shirt. Allez, pas grave. 17-16, Cesson est passé devant. Allez, il faut continuer jusqu'à la fin de ce troisième set. Alors, bravo, hein, Arnaud Alves. Pour ces deux bonnes réponses, grand vainqueur des questions ce soir. Allez, maintenant on espère que c'est Cesson qui va être grand vainqueur en cette fin d'après-midi. 17-16 pour Cesson. Allez, petite faute de service de la part de Rodan. Il nous a fait du bien tout à l'heure. Il a peut-être pris un peu plus de risques sur ce service. Il a cherché à rentrer dans le ballon et le ballon qui sort hors des limites du terrain. 17 égalités. Il est présent le bloc, hein, sur ce troisième set, le bloc briochin bien présent. Et la balle qui n'est pas touchée. C'est un nouveau point, c'est sonné. 19-17 est en mort, demandé par l'entraîneur parisien. 19-17 dans ce troisième set. Allez, 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 Cesson jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah, c'est ça, il nous reste 6 points pour remporter ce match. Bruno, c'est très très important de serrer le jeu tout de suite et de faire comprendre à ces jeunes joueurs du PUC qu'ils ne reviendront pas dans le match et que c'est bien Cesson qui va remporter la victoire aujourd'hui. Oui, il y a des chances, hein, pour que les Parisiens lâchent la fin de set. Hein. Il va falloir être très fort pour l'entraîneur Joris Travers pour les continuer de les motiver en cette fin de match. S'ils sont menés 2-0, 19-17, ça va être bien difficile. Allez, allez Cesson, merci, hein, merci à tous les supporters qui sont toujours présents sur ce live Facebook. Continuez d'envoyer des petits cœurs, des petits pouces levés, donnez un maximum d'encouragement, même sur le live. Allez, c'est sauvé. Parfait, encore un Maël. Wow, quelle hauteur le Maël, ah ouais, hein. Ah, il est excellent Maël, hein, alors, ce soir. Ils sont placés le bloc, hein, Valentin Bezeau, Maël Lemeur, c'est difficile, hein, de passer. Bon bloqueur, hein, pour un passeur, hein, également, hein, Valentin Bezeau, qui est un très bon bloqueur, très agressif. C'est un nouveau point, du coup, pour Cesson. Là Bruno, carton rouge pour Valentin Bezeau, qui est un peu trop dans la chambre selon l'arbitre, j'ai l'impression. Je trouve que c'est très difficile, très sévère, hein, de la part de l'arbitre.
Surtout que... Carton rouge, c'était ça? J'ai pas vu. Ça fait carton rouge, tout à fait, tout à fait. C'est deuxième carton jaune, carton rouge, et ça va faire normalement, si je connais bien mon règlement, moi qui suis arbitre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça fait carton rouge, Bruno, en J'ai dit si je connaissais bien mon règlement. Et si, je le connais bien, bien sûr, hein, carton rouge, c'est un point de pénalité contre Cesson. Alors, on garde le service, mais il y a un point de rajouté, donc nous menions 20-17. Oui, également, et le changement de service, oui, c'est une faute, j'avais un doute, non. Donc, point gratuit pour les Parisiens, et qui récupère le service. Mais allez, on est toujours devant, restez concentrés, ne pas lâcher cette fin de match. Allez, un side affaire important celui-là. Oui, restez concentrés, on est à 5 points de la fin du match. Belle réception, toujours Mathieu Ogas. Et ils sont là encore, Maël et Robin. Avec toute la rage de Robin. Hein, dans oui, mais là je pense qu'ils n'ont pas envie de lâcher. Hein. Là on les a énervés un peu, c'est un peu injuste moi je trouve cette décision de l'arbitre. Hein, carton pour un peu de chambre, ça fait partie du volleyball, hein, de chambrer un tout petit peu, c'était pas méchant. Allez, 3 points d'avance pour les Cessonais, on va rester sur le score et sur l'objectif, une victoire. Ah, dommage, un peu dévissé mais c'était bien servi. Allez, on reste devant, 2 points. Juste faire les side-out, ça devrait suffire. Ah, tu le disais tout à l'heure, hein, Bruno Maël qui a en effet changé sa technique de service, qui rentre beaucoup plus dans le terrain, qui saute vers l'avant. Oui, vrai service matché puissant, ça peut être une bonne option à l'avenir hein, pour Cesson. Il a été quand même assez performant avec son service. Changement et nouvelle rentrée du numéro 18, Raphaël Ossard, pour le PUC Volleyball. Avec un très bon travail de Clément Adam qui est venu fixer le bloc, belle passe de Valentin et à nouveau Romain Hutrel pour un nouveau point. Ah bah là, c'est ce qu'on appelle un cratère, hein, oui. Bruno. Il lâche le bras, le bloc n'était pas en place. Et je pense que c'était aussi l'occasion de reprendre la tête pour Robin au niveau des points marqués, 15 points pour lui depuis le début du match. Très belle attaque, hein. Il faut reconnaître la très belle attaque à nouveau hein, du 13, il nous aura fait mal. Ibrahim Touré. Ah, il a très bien tourné le bras, il était complètement désaxé par rapport à sa course d'élan, c'est vraiment très bien joué de sa part. Il tourne sur son épaule gauche, il est droitier, il tourne toute son attaque sur son épaule gauche. C'est soutenu. Ouais, très bien Ronan, je vous l'ai dit depuis le début. Présent quand il le faut. Et Lagnac, allez. 2 points pour Cesson. Allez les Cessonais. Et c'était le 6e point de Ronan. Ronan qui fait vraiment un beau match aujourd'hui, qui joue très juste, pas de faute directe. Oui c'est ça, hein. Pas beaucoup de ballons pour lui, mais lorsqu'il les a, il fait point, il transforme les points. C'est très bien. 23-20. Allez, en plus c'est Robin au service. Hein. On est dans les meilleures conditions là. Et très bien pour les Cessonais. Balle de match 24-20. Oui. Et temps mort demandé par l'entraîneur. Et c'est un nouveau point pour Alexis qui porte aussi son total à 6 points marqués sur ce match. Alexis qu'on n'a pas forcément vu beaucoup en début de match mais qui là sur ce troisième set est précieux. Hein. Il a fait beaucoup de points, c'est 5 points sur le troisième set qu'il fait. Très bien oui Alexis. Hein. Peu de ballons sur les deux premiers sets et là il est présent sur ce troisième set. C'est très bien justement. Hein. On l'a vu déjà la semaine dernière contre Marseille. On peut compter sur tout le collectif hein, Cessonnet pour mettre des points et participer à la marque. La semaine dernière, Clément avait mis beaucoup de points. Peut-être un peu moins ce soir, mais là il y a Alexis. Allez, c'est balle de match. Restons. Balle de match. On va chercher les 3 points. Ce serait super. Une 3e victoire d'affilée pour les Cessonnet. Allez, Cesson. Allez, on tape dans les mains même à la maison. On encourage notre équipe de Cesson. Superbe service. Et c'est lui qui termine. Victoire pour les Cessonais. 3-0, 3 points. 25-21, 25-21, 25-20. Contrat rempli pour Cesson.
C'est superbe. Merci. Attendez, il y a les interviews après. Restez encore un peu avec nous. Et victoire 3-0, troisième victoire d'affilée. Merci à vous tous d'avoir suivi. Ah, il nous fait plaisir. On voit de la libération sur le visage des joueurs, les Sessonnais qui sont heureux, qui repartent avec les 3 points, comme tu le disais Bruno, avec une belle victoire aussi, parce qu'ils ont su faire preuve de régularité et de constance dans ce match. Eh oui, super victoire. Des Sessonnais qui vont remonter au classement et vont venir s'installer au milieu du classement. Ah, ils sont contents, les Sessonnais. Je vais rejoindre l'un des joueurs pour l'interviewer. Bravo les gars. Allez, on y va pour l'interview. Mais... Et victoire sessonnaise. Allez, je vais appeler l'un des joueurs sessonnais qui va venir avec moi. Allez. Allez, on se retrouve avec Alexis Fillon hein, qui a fini ce match. Super victoire, Alexis, pour l'équipe sessonnaise. Troisième victoire d'affilée. Ça fait du bien, on remonte au classement, on va se mettre à l'abri en milieu de classement. Ouais, ça fait du bien, on part à la trêve là avec une bonne humeur. Là. Ça nous fait 9 points d'affilée, c'est parfait. Ouais, superbe match, une belle victoire, 3-0. Rien à dire, une équipe jeune en face, vous avez su leur mettre la pression à tous les moments. Et pour toi, un très bon match. On a noté un très bon troisième set, efficace à l'attaque quand il le fallait. Super, ouais. Ouais, c'est vrai, ils ont un jeu qui est assez atypique parce qu'ils jouent en dilettante, enfin ils ont pas trop d'humeur en fait, si tu veux, c'est pas très agressif et du coup nous ça nous a mis un petit peu dans un mood un peu à deux tensions quoi. Je pense que Valentin a su vous faire ce qu'il fallait pour vous rester dans le match et c'est très bien. En tout cas on est tous très contents et beaucoup de monde sur le live Facebook content de cette victoire. Beau cadeau pour tous les supporters qui n'étaient pas présents ici dans la salle, beau cadeau pour les fêtes et bah maintenant on vous souhaite à toute l'équipe des bonnes fêtes et on se retrouve rapidement le 9 janvier contre Charenton, encore un match important contre une équipe à battre hein, mais maintenant vous êtes partis de toute façon là, on va même pas viser les play-downs, on vise les play-offs là maintenant. Ah, là on va y aller et puis ça va nous faire du bien et puis on sait qu'il y a plein de monde qui nous regarde donc merci à tous. Bah, merci Alexis et à bientôt, bonne fête à toute l'équipe. Je vais demander à Simon de me rejoindre. Merci Simon une nouvelle fois d'avoir été avec moi. Merci à toi Bruno pour l'invitation, c'était super encore une fois. Et c'est donc à nouveau une très belle victoire. On vous remercie tous sur le live Facebook de nous avoir suivis une nouvelle fois. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Ce qu'on espère surtout, c'est que les spectateurs vont revenir. Notre petite, on a le temps d'une deuxième interview? Ouais. Ouais, on m'a dit oui, je vais appeler Joris s'il peut. Joris, l'entraîneur de cette équipe. J'appelle l'entraîneur. Allez, il va arriver l'entraîneur parisien qui doit être déçu, mais je vais le déranger un peu, on se connaît. Des estivales toujours les estivales où on retrouve tous les joueurs, on les retrouve aux estivales. Viens à côté de moi, s'il te plaît, Joris. Bon, déçu forcément pour cette défaite, ça ne doit pas être facile pour toi, une équipe jeune qui doit être difficile à motiver, hein, c'est ce qu'on a vu, ils alternent le bon, le moins bon. Non, c'est exactement ça, c'est le CFC, ça veut dire qu'on travaille évidemment là, pendant des mois et des mois, mais on est souvent attrapé voilà, par la jeunesse, on a du mal sur les fins de set, et souvent c'est ce qu'on leur a dit à la fin, c'est dès qu'il y a un petit grain dans la machine, on vient lâcher 2-3 points, nos temps faibles sont trop longs en fait, pour ensuite espérer venir gagner ces fins de set, mais on bosse et on espère que ça va aller mieux par la suite. Oui, ce sont les caractéristiques hein, des CFC, hein. Donc toi tu vas les faire bosser. Ils seront peut-être plus dangereux sur les matchs retour. Hein. Souvent, plus de ces équipes-là progressent et on compte sur toi pour leur mettre dans la tête ton expérience. Et donc, on fera attention au retour. Hein. Mais bon, on vous souhaite un bon retour et de nouvelles victoires pour vous. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Et c'était un plaisir de venir jouer dans cette belle salle. On a été très bien accueillis. Et voilà. On se verra au match retour. Vous serez bien accueillis aussi. Pas de soucis. Merci Joris, merci. Allez, on va se quitter pour ce live Facebook. Le prochain, peut-être en janvier. On espère surtout le retour des spectateurs. Je vous salue et à tous très bientôt pour une nouvelle expérience. Et merci, je remercie hein, tous les partenaires et surtout toute l'équipe Baldry Productions pour ces live Facebook. Super qualité, reconnue partout. Hein. Tous les joueurs de volley hein, reconnaissent la qualité de la réalisation. À ce niveau-là, c'est vraiment super. Donc on se retrouve tous bientôt. Merci à tous et à bientôt à Sterelen. Au revoir.